Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 29, moi je le tourne à la suite. Donc juste hors caméra, ce que j'ai fait c'est juste j'ai utilisé mes cristaux d'expérience sur Niel pour la faire augmenter de 2 niveaux, elle est passée du niveau 49 à 51. Et j'ai fusionné les deux personnages 3 étoiles qu'on avait récupérés pendant la partie, ça n'a pas suffi à la faire, à faire lever encore sa limite. Donc sa limite est encore au niveau 105 pour le moment. Mais bon, ça devrait continuer à avancer. Donc voilà, on en était dans l'histoire au moment où Aizen décide d'achever lui-même Alibel, parce que il sait très bien qu'Alibel n'aura pas le niveau pour résister à quoi que ce soit. Et il décide de prendre lui-même les choses en main, et ce sont les Vizards qui vont s'attaquer à Aizen. Là, ça va être le boxon. Ça va être clairement le boxon, parce que tout le monde va essayer de s'attaquer à Aizen. Mais Aizen, mais tiens toujours tout le monde sous le contrôle de son Zanpakuto. Voilà. Mashiro attaque férocement Wonderwise. Kensei, qui s'inquiète de la durée de la transformation en holo, lui conseille de retirer son masque. Voilà, parce que... comment? Mashiro, elle peut tenir son masque pendant une quinzaine d'heures, mais là, le combat est tellement intense, si elle ne retire pas son masque, elle risque de tomber dans les pommes. C'est d'ailleurs, il me semble, ce qui va se passer. Il reste 13 minutes au chrono d'expérience. Je prendrai une rallonge plus tard. Donc on enchaîne. 29 épisodes de Bleach quand même. On ira jusqu'à 30, c'est sûr. Parce que ça m'étonnerait qu'on termine ce tableau-là, puis le tableau d'après en 1 heure. D'accord, là c'est le combat contre Wonderwise. Ah oui, alors Wonderwise. Eh bien, c'était la dernière des Espadas et elle s'est fait tuer. Mashiro, combattre de tels adversaires, ça demande de l'énergie. Enlève ton masque avant d'être épuisé. Que tu es bête, Kensei. Je sais combien de temps je peux rester en holo. 15 heures, voilà. Elle peut tenir 15 heures en holification. Je peux tenir jusqu'à ce soir, voilà. Voilà. Et donc, il y a Wonderwise, en fait. Mais il est là pour quelque chose de précis, Wonderwise. Et il n'est pas là pour les bizarres. Mais vous allez voir le rôle que va devoir tenir Wonderwise. Voilà, et donc le masque de Mashiro vient de se briser. Elle est au bout de son endurance en fait, et elle a rien senti venir. Et donc Wonderwise lui met une grosse patate. Moi ça gêne pas de te frapper. Voilà, et donc là Kensei sort son Bankai, parce que oui, en tant que capitaine, les Vizards évidemment peuvent également sortir le Bankai, il n'y a pas qu'Ichigo. D'ailleurs, je viens de réagir, on n'a jamais vu le Bankai de Shinji. Pas de Shunsui, hein, de Shinji. On l'a jamais vu non plus. Ok. Alors là, on va peut-être voir le rôle de Wonderwise. Et je voulais pas spoiler depuis le début, parce que bon, c'est un petit rôle, mais c'est un rôle quand même important. Sasuke, ne lui fonce pas dessus.
Tu connais son pouvoir, si tu l'approches sans réfléchir, tu mourras dans la seconde. Voilà, donc parce voilà, Shinji et Iori connaissent très bien son pouvoir d'hypnose totale. Ne sois pas sotte, je ne te parlais pas. Et puis ne sers pas ton sabre. Impressionnant, des paroles pleines de sagesse, capitaine Hirako. Mais tu parles de ne pas m'attaquer sans réfléchir. J'en rirais presque. Que vous m'attaquiez sans réfléchir, prudemment ou même pas du tout, le résultat sera le même. Ce n'est pas de la voyance, votre défaite est née et inévitable. Et un fait inéluctable, ça vient. Hop, non, ne réagissez pas. Qu'aurais-je à craindre? N'êtes-vous pas tous morts cette nuit-là, il y a 100 ans? Et d'une. Voilà, donc Iori a foncé tête baissée et s'est fait blesser. Par Guine. Je sais, tu sais, voilà, je n'ai pas pu le supporter, voilà. Voilà, Orihime, elle peut sauver, mais Orihime est dans le Weko Mundo. Voilà, Ichigo, pourquoi t'es pas encore revenu, Ichigo? Voilà, mais Ichigo va débarquer, bien évidemment. À ce moment-là, il va revenir du Weko Mundo avec Orihime. Voilà, bon, il va y avoir une petite timeline là, la petite timeline de Ichigo. Et ben, on va s'attaquer à ça pendant cette heure-ci. Ça va être la petite timeline d'Ichigo, son retour du Weko Mundo, avant de s'attaquer à Aizen. J'ai pas lu le petit préambule, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Aizen. 7 minutes, ça devrait le faire. Je prendrai la rallonge de temps après. Je vérifie juste. Ouais, 66% de batterie. Hop. Voilà. Parce que mon téléphone commence à chauffer. Ichigo, par devant, ne t'en fais pas pour moi. Tout le monde t'attend en bas. Vas-y. Ichigo, si tu as quelque chose à dire, on verra ça après. Là, tu as mieux à faire. Entendu. Orihime, je te le confie. Excusez-moi, j'avais un truc sur l'écran. Ah, ça va, ils me font que un dégât à chaque fois. Ouais, ça va, j'encaisse le coup. Bizarre, j'ai l'impression que là, le niveau, il a vachement diminué d'un seul coup. Enfin, c'est assez étrange. Parce que là, j'ai assez d'endurance, là, clairement. S'ils me font que ça en dégâts... Peut-être que pendant les tests, ils se sont dit on augmente trop vite en puissance, enfin, je sais pas. Je parle des développeurs, ils ont peut-être dit on augmente trop de niveau d'un seul coup, faut peut-être rabaisser un petit coup. Je sais pas.
Je veux dire qu'il y avait quand même des niveaux, si on gérait pas l'esquive ou ces trucs-là, quand même on en chie pas mal. Hein. Alors là, pas. Bon, 300 ennemis tués aujourd'hui, ça va? Ok. Oh, j'ai esquivé les quatre, c'est pas possible. À l'aise. Oh, puis en plus je récupère de la vie. Ouais, ça va. Ce niveau, c'est tranquille. Hein. Bon, je suis désolé, je laisse des gros blancs là. Je viens de voir sur Audacity, City, il y a une grosse minute de blanc parce que je parlais pas. Bon. Une grosse minute, non, moins que ça, mais. Bon, ça vous laisse savourer les petits remixes des OST que je mets en arrière-fond. Oui, j'ai légèrement. Enfin, légèrement. Ouais, j'ai légèrement remixé un petit peu les OST, histoire que. Voilà, que ce soit un peu différent en plus des vrais OST. Oh, j'ai encore sauté le truc. Bon, là par contre, je reprends le. Hop. En plus, je repayerai 5000. Je ferai une quête avec les. Pour récupérer de l'argent. Il y a une quête dans les events. Toutes les semaines à EA. Souvent, c'est le dimanche qu'à EA. C'est une quête pour récupérer de l'argent. Bon. Encore une quête de remplissage. Mais arrêtez avec vos quêtes de remplissage. Bon. Allez, 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 on y arrive. L'expérience, j'ai un peu de vie, mais alors pareil, je sais pas si vous avez repéré, mais en fait j'ai Orihime qui est linké en fait à Ichigo, ce qui fait qu'en fait à chaque fois que je change de tableau, je récupère un truc genre 16% de ma vie, enfin sur Ichigo. Ichigo récupère à chaque fois 16% de vie à chaque fois qu'il change de tableau. Bon, c'est.
Voilà. Donc mine de rien, linker les personnages, c'est quand même important. Hein. Si vous avez une équipe principale, enfin si vraiment vous créez votre propre équipe, regardez bien les links des personnages et aussi les objets à équiper. Ça augmente pas mal la puissance quand même des personnages. Bon, moi j'ai pas les objets ouf. Et j'ai pas bien compris le système de fusion qui existe. Ouais, si pour fusionner j'ai compris, mais la fusion pour passer de 4 à 5 étoiles, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Donc ouais, voilà. Allez, Getsuga Tensho. Voilà, affaire réglée. Ah, mince, j'ai dépassé de 4 secondes le temps de ce niveau. C'est ce qui fait que j'ai perdu 2 orbes pour rien. Enfin, j'ai perdu. J'aurais pu récupérer 2 orbes de plus. C'est idiot. 4 secondes quoi, merde. Voilà, Ichigo fonce rejoindre Rukia et ses compagnons. Chaque seconde rend leur situation plus désespérée. Tiens, on va utiliser Ichigo en ultime Getsuga. Oh! Excusez-moi. Vous aussi, pensez à bien vous hydrater. Encore une quête de remplissage, mais... Oh, c'est relou votre truc. Là, il y a encore le... Il y a quoi encore à voir? Il y a encore énormément de choses à voir de la série, là. Enfin, on est sur la fin, mais... Enfin, sur la fin de l'arc avec Aizen. Mais il y a encore énormément de choses à voir. Il y a encore le combat, enfin le premier combat Ichigo Aizen, le second évidemment. L'histoire comment le quand les Arrancars quand tout le monde attaque Aizen et que ben, voilà l'histoire avec Momo. Enfin voilà, il y a un tas de trucs, il y a un tas de trucs à voir là. Arrêtez les quêtes de remplissage. Là par contre le niveau il a réaugmenté, j'ai l'impression, hein. Ils sont costauds les... Les holos là. Bon, est-ce que... Si je me prends encore un coup, je suis sur Stark.
Ok, je switch. Allez. Ok, allez, hop. Ah non, j'ai rien dit, c'est pas 16%, c'est 2% d'endurance, ce qui correspond à 16 points pour Ichigo, c'est ça. Je vous ai dit une petite bêtise. Après, j'ai la possibilité, enfin, j'ai la possibilité d'augmenter les pouvoirs d'Orihime, mais avec un événement qui malheureusement est terminé. Mais je pense qu'il relance les... C'est un événement Frenzy, qui s'appelle ça. Et apparemment, ça correspond à des... Comment dire? À des... Pas à des films, mais à des... Pas des OST, comment ça s'appelle? Des courts-métrages qui ont été faits sur la série. Apparemment, il y a des courts-métrages que j'ai pas vus. Utiliser mon ulti tout de suite. Alors pareil, j'ai repéré aussi ça. Souvent, ce qu'on fait quand on est face à des boss, on tue les sbires et après on se concentre sur le boss, vraiment le boss final. Mais si on tue le boss final avant les sbires, les sbires vont mourir automatiquement. Donc faut voir si ce serait pas une bonne technique d'affronter comment le boss en priorité à chaque fois. Bon, j'ai encore dépassé le temps, 3 minutes 57. Quasiment une minute de trop. Alors, c'est contre qui ça? Ah oui, c'est contre Yami, c'est vrai qu'on n'avait pas battu Yami. Donc c'est vrai que tout le monde se retrouve face à Yami et voilà. Donc là ça va être... Ouais, c'est vrai que j'avais complètement oublié Yami. Et ça justifie encore 3-4 de remplissage ou pas? Non mais je dis ça comme ça moi. Enfin, je sais pas. Bon, ça fait toujours des orbes en plus, c'est ça qui est bien, mais. Mais au niveau histoire, ça justifiait pas, quoi. À la limite, si vous voulez faire plus de niveaux, il aurait fallu intégrer les Bounts, par exemple. L'arc des Bounts, et prévoir plus tard l'arc de Nozomi, hein. Après, j'espère vraiment qu'ils vont aller jusqu'à Execution. Il y a quoi d'autre? Après, un truc qui pourrait être intéressant aussi, c'est comment c'est qu'ils créent dans les arcs hors série. Là, c'est même plus un arc, mais ce serait que les films soient adaptés en niveau. Memories of Nobody, Fate to Beck, Demon's Rebellion et Hellverse. Il y a 4 films de Bleach, les voir dans le jeu, ça serait assez génial aussi. Hein. Et là, il y a encore des personnages à exploiter. Hein. Dans Hellverse, les prêcheurs, enfin, non, pas les prêcheurs, n'importe quoi, les pêcheurs,
y a des personnages vraiment qui seraient exploités, hein. Après, il y a quoi d'autre? Pareil, dans Memory of Nobody, il y a des nouveaux ennemis. Enfin, il y a les sans-âme, c'est ça, je sais plus, qui sont là. Enfin, qui peuvent être, pareil, qui peuvent constituer des ennemis assez intéressants. Enfin, le clan déchu là également dans le film de Memories of Nobody, hein. Je sais pas, ces films-là aussi pourraient être exploités dans le jeu. Enfin, après, je veux dire, après les arcs et Exclusion et tout, là, moi, je vois au moins les quatre films plus trois arcs qui sont pas encore, soit qui ont été sautés, soit qui ont été pas encore publiés. Honnêtement, il y a moyen encore de faire un jeu encore plus complet, hein. Si on rajoute les trois arcs qui sont Lebunt, Nozomi et Execution, et que derrière ils mettent les quatre films, là vous avez vraiment un jeu complet. Après j'en demande peut-être trop. Je dis pas, j'en demande peut-être trop. Après toi je serai débarrassé. J'ai libéré ma puissance, mais j'en ai sué. Pour t'attraper, petit insecte. Voilà, donc là, il a attrapé Rukia dans ses mains, et il est en train de l'écraser. Bon, voyons voir comment vais-je te tuer. Voilà, sauf que Ichigo apparaît et puis tranche la main d'Yami. T'as grandi depuis la dernière fois, je t'avais pas reconnu. Ouais, Yami. Il dit ça, Yami. Donc. Attends-moi ici. Ah, attendez, excusez-moi. Attendez, excusez-moi. Ouais, alors attendez. Ah bon, voilà. Je le saurai à 27 minutes, il faut que je coupe. Mais comment ça se fait? Oh, c'est pas vrai, je suis pas sur le bon microphone! Oh, je suis désolé, ma voix doit être pourrie. Je viens de voir, je suis sur comment sur le micro de mon PC, pas sur le micro du casque. Ah, je suis désolé. Je viens de le voir. C'est en tout sens. J'ai vu que Audacity avait enregistré ma toux alors que j'avais coupé le micro. Mais non, je suis pas sur le bon micro. Je suis désolé. Bon, je vais mettre un terme à cette bière absurde. Oh la vache, Yami là, il est imposant là. Là, je dois avouer, il est. Waouh! On peut l'avoir en personnage? Y a moyen de l'avoir en personnage ou pas? Je suis désolé, en plus, à mon avis, on est à l'épisode quoi? 20, 29? J'ai enregistré quoi aujourd'hui? 28 et 29? Ouais, l'épisode 28, ce sera pareil. Désolé, le son aurait été pourri. Mais je viens de le voir dans Audacity et je suis désolé. Tu crois que je me fatigue à voler partout pour te fuir? Vous voulez juste t'entraîner loin d'eux. Maintenant que nous sommes seuls, je vais t'écraser de toutes mes forces. Alors voilà, et là vous voyez que Ichigo a remis son masque et que son masque a changé de forme. C'est le masque version 2 et c'est suite en fait à l'épisode du Vasto de Lordes. Quelque chose n'allait pas. Cette transformation holo était étrange. Mon masque m'a semblé plus lourd. Est-ce à cause de ça? Merde, t'as réussi à me faire une petite coupure. Ouais. Une petite coupure. Ouais, enfin, il vient lui trancher une patte ou un truc comme ça, je crois. Bah quoi, tu as l'air effrayé. Regarde un peu mon numéro. C'est zéro. Je suis Yami, voilà. Il n'y a pas un seul des Espadas qui m'arrive à la cheville. Grimmjohn, Oetra, Ulquiorra, comparé à moi, ils étaient que des rebuts.
Je refuse que tu sois différent des autres. Je vais te battre parce qu'il le faut, c'est simple. Ok, il est suivante. Alors, est-ce que je change mon micro tout de suite ou est-ce que tant pis, on va faire cet épisode-là avec le micro pourri? Parce que le problème, c'est que ça va désynchroniser ma voix si jamais je coupe maintenant. Allez, écoutez, je vais couper. Tant pis, non, allez, on va. Tant pis, je suis désolé, vous aurez un son pourri pour ces deux épisodes-là, à savoir le 28 et le 29. Et à partir de l'épisode 30, promis, je remets mon micro de casque. Ce sera beaucoup mieux. Voilà, vous n'étiez peut-être pas amis, et je ne regrette pas de les avoir tués. Mais tu es quand même gonflé, insulté ceux que j'ai tués. Mais pourquoi je n'arrive plus à mettre mon masque? Je sais pas ce qui t'arrive, mais tes problèmes de masque m'arrangent. Mais bon, c'est pas grave, tu t'es bien battu, enfin par rapport à tes microbes amis. Mais hors sale déchet. Voilà, puis d'un seul coup, on entend la voilà, 33e technique de destruction, chute de flamme. C'est Byakuya qui débarque. Avec Kenpachi. Qui t'a dit d'attaquer en premier, te mets pas de ça. Que dis-tu? Je suis arrivé avant toi, apprends à rester à ta place. Voilà, donc là, Kenpachi et Byakuya s'engueulent un petit peu. Attendez, excusez-moi. J'ai un truc qui vient d'apparaître à l'écran. C'est rien, c'est une analyse. Viens pas pleurer si je touche, si je te touche en même temps que lui. Byakuya, Kenpachi, recule Ichigo. Ok. T'es sourd. Tu te fais toujours mettre en pièce. C'en est lamentable. Dégage, sale minus. Voilà. Là, Ichigo, il est. Bon, ok, d'accord. J'ai mal, je souffle martyr. Ordure, vous allez me le payer. Je vais vous réduire en bouillie. Je t'ai dit de reculer. Ta tâche n'est pas ici. Dépêche-toi de rejoindre le monde des humains. J'en ai torsion, mais je dois le battre. Et je peux pas rentrer comme ça. Kisuke doit m'ouvrir un portail. Allons, allons, Kisuke. Tu n'as que ce nom-là à la bouche. Mayuri. Un demi-shomigami qui ose insulter mon... Qui ose utiliser mon prénom. Au moins tu ajoutes le nom, pas comme ces deux-là. Je suis ravi, j'ai pu analyser les gargantas. T'as pu étudier un garganta. Et oui, en plus, celui-ci est impeccable. Imagine déjà la tristesse d'Urahara. J'imagine déjà la tristesse d'Urahara. J'en déborde de joie, même les plaintes de singe ingrat n'arrivent pas à m'énerver. Commence l'installation d'Emu, le demi-shinigami repart. Silence, un cobaye, ça ne parle pas, car vois-tu, ceci est une expérience, tu n'as pas ton mot à dire. Qui plus est, tu es le cobaye numéro 1. Ne te fais pas d'inquiétude. Je vais venir avec toi. Tu demandes d'y aller toi-même. Es-tu devenu folle, Capitaine Onohana? Voilà, c'est ça. Je me souvenais jamais de son... Enfin, c'est son nom de famille, Onohana, mais... Je connais pas son prénom, hein, cette capitaine. Honnêtement, c'est la capitaine que j'ai jamais retenue. C'est con, alors qu'elle est pas mal, en plus. Pas du tout. J'ai une totale confiance en toi, Capitaine Kurotsuchi. Je suis certaine que cette expérience sera un succès. Ici, tu as trouvé les recherches d'un rancard.
Je n'ose imaginer l'habilité de Kisuke Urahara si ton garganta venait à ne pas marcher. Tu devrais mesurer tes paroles en analysant sur garganta. J'ai découvert comment le fermer en cours d'utilisation. C'est très impressionnant. Bien, merci Hugo. Voilà, en gros, il menace de les laisser dans le vide, quoi. Bon. Yami est extrêmement fort. On ne sera pas trop de 3. N'ai aucune inquiétude. Un capitaine de division n'a pas besoin de ton aide. Quelle est ta mission? Ton travail est de protéger cette ville. Vas-y, n'oublie pas que tu es le Shinigami suppléant de Kurakura. Voilà. Voilà, Kigo, je reviendrai. Oh non, on a terminé l'arc 10. On l'a terminé? Déjà? Oh merde! Ah, j'avais pas vu! Ah, la vache! D'accord. Ah, la rage! Ah, je pensais qu'on allait encore continuer! Bon, ok, bon, bah, donc Ichigo est en route pour retourner dans le monde des humains. Aïe, 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 ok, d'accord. Bon, bah, épisode 29. On va juste terminer tout ça. Ah, c'est dommage. Bon. Bah, je pense que dans un mois, l'arc 11 sortira. Je vais jeter un œil à ce que je peux faire avec Niel. Si normalement j'ai récupéré quelques orbes, quelques cristaux d'expérience. Donc, peut-être que je peux la faire encore avancer d'un ou deux niveaux. Ouais, deux niveaux. Ok, c'est cool. J'ai pas reçu de cristaux. Bon, je l'augmente d'un. Hop, au niveau des fusions. On regarde ça ensemble. Mais ouais, c'est dommage, ça a été un petit peu rapide cet arc. Seulement combien? 3 épisodes pour le faire? Tout, hein, je regarde dans les quêtes que j'ai. De toute façon, je crois que je vais attendre 17h avant de pouvoir continuer. Et puis, ben, on va se retrouver beaucoup plus tard, alors. Attendez, je regarde juste dans les quêtes si je peux aller chercher des cristaux rouges. Si je peux aller chercher les cristaux rouges. Ouais, je peux. J'ai besoin de ces cristaux-là pour continuer à faire avancer Niel. Donc, je vais faire 2-3 quêtes de ça. À la limite, on peut peut-être en faire une ensemble. Juste avant, j'ai vu que j'avais pas récupéré mes ordres. Donc, juste récupérer mes ordres rapidement. En plus, j'ai dit cristal moyen, là. Hop. Voilà, faut que je les utilise tout de suite. Comme ça. Plus 20 000 pièces d'or. Voilà. Et puis on va juste se faire, pour une fois, une quête d'événement rapidement. Comme ça, si vous jouez au jeu, vous savez comment ça se passe, mais... j'utilise juste mes 10 cristaux là que j'ai, hop, voilà, 64,
Ouais, ça va, ça avance, ça avance. On va juste faire ça, histoire que, voilà, histoire de compléter l'heure, hein, histoire de compléter l'épisode. Quoi qu'il en soit, ben, j'espère que l'arc 2, enfin l'arc 11, ne sera pas le dernier. Que suite à ça, avant de mettre Execution, ils mettront quand même l'arc avec Nozomi. Qu'ils vont faire une comment qu'ils vont faire une insertion ou un truc comme ça et qu'ils vont rajouter l'arc des Bounts après qui était entre l'arc de l'apparition des Arrancars et la fin de la Soul Society en fait vous voyez c'était entre ben voilà j'espère qu'ils vont rajouter enfin voilà ces trois arcs là même si bon bah tant pis s'ils mettent pas Nozomi ben ce sera dommage mais c'est dommage d'avoir mis le personnage et de pas exploiter l'arc. Alors, attendez, je regarde un truc. D'accord, donc là pour le moment je peux pas utiliser. Bon. Juste hop, utiliser un peu un truc d'entraînement pour ça. Récupérer quelques cristaux. Et puis moi, bah, il me reste une demi-heure d'XP, d'amélioration d'XP, donc je vais pas gaspiller la demi-heure qui me reste. Hors caméra, je vais continuer à faire avancer Niel. Et puis, bah, ce soir, je refais des batailles et je vais voir un petit peu ce que donne Niel à 6 étoiles, même si elle n'est pas niveau 100. Ou alors temporairement je lui trouverai un substitut dans ma liste de cartes disponibles. Voilà, donc en fait ces quêtes là c'est très simple, en fait chaque ennemi drop des cristaux. Et ces cristaux là servent en fait.